sorceleur, mais sur une petite prime de sorceleur. On est sur une petite prime de sorceleur, donc c'est le démon près du puits. A priori, on va essayer. C'est bien, Ablett. Toujours ma tête de griffon attachée à mon poney. Quand les rois se battent, c'est les paysans. Donc alors, où est ce puits? Ça doit être là. Wow! Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. L'herbe autour du puits est brûlée. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Un spectre de midi? YOLO. Alors, Bon, c'est pas ça le truc. Normalement, il devrait y avoir un spectre. YOLO. Ah. Ah, déjà j'ai trouvé la touche, bien. Donc moi je vais trouver le bestiaire. Spectre, démon près du puits. Spectre de midi, c'est bizarre. Hein. Poussière de lune, j'en ai pas. Huile contre le spectre et Yerden. Alors, quelque chose rattache le spectre. Je crois que j'en ai de l'huile. Non. Sans goût. Alchimie, de l'huile, mutagène, tout. Bon, je vais pas les faire. Tempi. Le midi a ce lieu, un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. D'accord. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang là. Ça pourrait servir. Ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Ah, ça arrive. On y arrive, on y Des arrive. Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces.
Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. On a déjà récupéré notre encore barbe, une trace hein. Près du puits. C'est lié. C'est bien, il n'y a absolument rien ici. Le spectre d'un nid de sang ne s'aventurera pas très loin du puits. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Il y a un truc au bout de cette corde. Un cadavre. Ah. Pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Ah, gênant ça. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Volker. C'est pas comme ça, Claire. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Mais qui brûle tout? Nous, on veut tuer le spectre en ce moment. Ça reste quand même de buter le spectre, donc si tu... voilà. Faut arrêter, Gérald. C'est vachement loin quand même, hein. Faudra arrêter ça aussi. De faire des quêtes à 3 km. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Comment on fait? Inventer. Chimie. Ah, peut-être pas un truc potion. Point dépensé 2. Point de suivi 0. C'est bon, on est bien. Huile contre les spectres. Sabline.
qu'on n'ait pas l'huile. Et le bracelet. Ouais, peut-être intéressant. Igni. C'est un peu comme les mots de... Ah. Yo. Ah, elle est pas très très jolie. Je crois que ça a fonctionné. Amène-toi, allez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera pour une autre quête annexe ou quête principale sur la charge.